encore un endroit idyllique où passer ses vacances. Cet endroit m'évoque quelque chose. Un des péchés est proche. Nous avons des comptes à régler, lui et moi. La colère est ici? Plus pour longtemps. Thank you.
Pourquoi cet humble marchand prend ton temps ? Sage décision. Comme vous voulez, ceci sera très divertissant pour chacun. Comme vous voulez. Salutations. Je t'en prie, prends ton temps. Comment mon marteau peut-tu avoir l'intention de faire sacrément mal à quelqu'un, toi ? J'aurais pas cru que c'était possible, mais tu es encore plus redoutable qu'avant. Intéressant. Alors, voyons ce que je peux faire pour toi. J'aurais pas cru que c'était possible, mais tu es encore plus redoutable qu'avant. Intéressant. Bien à toi, Fury. «
quoi cet humble marchand? Je t'en prie, prends ton temps. Thank you.
Qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne chose qu'il soit là-bas. Un de tes amis ? J'en doute fort. C'était une question rhétorique. Je sais que tu n'es pas d'amis. Par contre, tu as des ennemis. Je ne crois pas que ce soit moi qui le vive, maîtresse.
Thank you.
travers de mon chemin. Thank you.
Si ce n'était pas si clinquant, ce serait presque joli. Encore un temple bâti à sa propre gloire par un démon stupide. Gloire aux conquérants. Le cycle se poursuit. Ce trajet n'en finit pas. Manifestement, quelqu'un essaie de compenser quelque chose. C'était une plaisanterie. C'est une mauvaise idée. Pardonnez-moi, maîtresse, mais c'est même stupide. Qu'est-ce qui te fait si peur? Sûrement encore un quelconque conquérant démoniaque. Je n'ai rien de... quel... Toutou, madame. Ni l'acier ni le fouet ne sont nécessaires. Encore un démon avec des dessins mystérieux. Tu connais Vulgrim? Je crois que vous entendriez bien tous les deux. Non, madame. Là où Vulgrim fait commerce d'ordures, Abraxis fait commerce d'élégance.
Ah, ma réputation me précède, manifestement. En effet, quelqu'un veut te voir mort. Ah, qu'il ajoute son nom à la liste, alors. Les faibles envient toujours les forts, n'est-ce pas, guetteuse? Bien, mais le Seigneur des Abysses pense que tu es un fauteur de troubles. Vous avez vu le traître? Où? Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il veut te voir mort, et je veux comprendre pourquoi. Vous êtes une femme intelligente. Un œil et une demi-oreille suffisent à s'en assurer. Alors, je vais aller droit au but. Ici se dressera la demeure d'un démon très très important, de quelqu'un qui remportera cette guerre une fois pour toutes. Je me tiendrai à ses côtés. Le traître n'aime pas ça. Le traître craint le changement. Ne tentons pas le diable, ce genre de choses. Et le traître, le Seigneur des Abysses, que veut-il? Parfois ce sont les oiseaux qui gagnent, parfois ce sont les chauves-souris. L'équilibre. Mais le traître en veut davantage. Ce faux seigneur s'improviserait volontiers, faux dieu. Il éviderait cette planète comme il évide les âmes. C'est son avènement. Il vous envoie, car il sait que lorsque mon seigneur accédera au trône, Abraxis retrouvera le traître et le videra de ses entrailles par l'océan pour le punir pour ce qu'il a fait. Le travail de madame est de préserver l'ordre. Le seigneur des Abysses croit être l'ordre. Si madame est vraiment ce que madame prétend être, elle devra tuer le traître, bientôt, avant que sa puissance ne grandisse. Mais, si vous comptez me surprendre, s'il vous plaît, finissons-en. J'ai un empire à bâtir. Tu es le démon à la langue d'argent, n'est-ce pas? Le seul et l'unique. Parfait. Elle fera un superbe trophée. À votre guise. Je ne suis dans le camp de personne.
maîtresse, il est grand temps pour nous de partir. Bonne chance avec tes tours, démon. Prie pour que je n'ai jamais de raison de revenir. Je t'en prie, prends ton temps.